Je voudrais, à ce jour, combien de fois, chargé d'émotions, aujourd'hui réunis dans le temple de la paix, du Père fondateur du Parti de l'Unité et du Progrès, du feu général Lassana Kondé. Grand homme d'État, grand soldat, père de la démocratie en Guinée, vous souhaitez, au nom du camarade Elhadji Fode Bangoua, président du Parti de l'Unité et du Progrès, la bienvenue et un agréable séjour parmi les militantes, les militants et sympathisants du Parti de l'Unité et du Progrès. Le bâtiment qui abrite la présente cérémonie, la construction a été décidée par le Bureau politique national. Après consultation des structures à la base, de la Guinée forestière, la Haute Guinée, la Moyenne Guinée, la Basse Guinée et la zone spéciale de Conakry. Il est le premier d'un vaste programme de rénovation du siège du parti. La pose de la première pierre a été effectuée le 15 septembre 2020. Début de la construction et qui s'est achevée le 15 janvier 2021. Par décision numéro 02 du 17 septembre 2010, le président du parti a mis en place une commission de contrôle et de suivi des travaux de construction du hangar. Cette commission, présidée par son Excellence M. Jean Boursard, composée des ingénieurs du parti, Vassilé Bangoua, Nadis Silla, Silla Tidi et Haya Amira Tarfa, a réactivé le Centre de la paix et de l'unité nationale, comme vous pouvez le constater, dans les règles de l'art, avec les capacités techniques suivantes. 35 mètres de long, 18 mètres de large, une hauteur de 4 mètres au niveau des poteaux, 6 mètres au pion. Avec une certaine prouesse technique, moyen les poteaux centraux pour répondre à l'esthétique et à l'utilité. Une superficie de 630 mètres carrés à l'intérieur, un débarras de 120 mètres carrés à l'alentour. Ce coupage a une capacité de 1250 personnes, bâti avec un coût financier 1,5 milliard de francs guinéens. Mesdames et messieurs, en vous renouvelant notre souhait de bienvenue, nous vous remercions de votre inestimable présence à notre invitation. Vive la paix et l'unité nationale, vive la démocratie, vive la concorde nationale, paix à l'âme de notre regretté, le général Lassana Kondé. Je vous remercie.